Horizon Zero Dawn. Comme vous avez vu dans la précédente vidéo, bon, on a fini l'histoire. Mais on n'a pas tout fini exactement. Il reste ça. Ça. Il faudra trouver les trois dernières batteries aussi. Et après j'irai chercher les statuettes et les projecteurs et tout. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant on va faire les 4 secondes. Pourquoi fait de la piraterie? Je vais vous le faire. J'ai donné plus de d'herbe pour la vie et tout. C'est la misère. C'est quoi ça? Putain. Oh putain, on retourne là-bas. C'est où le raton laveur? Thank you.
Enfin bon, tant pis, j'ai perdu en retour le voir. Je suis triste. Ah, ça c'est un raton laveur. Bon, et si on allait faire l'émission, ce serait une bonne idée, je pense. Pêche, ouais, il te donne, là, il vous donne une nouvelle lance à la fin du jeu. C'est pas très sympa tout ça. Ouh, c'est un chaud, on dirait. On va casser en deux. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, venez là. On va faire un test. Ah ouais, là, on va le sèche.
pas pu résister à la tentation de me battre contre Storm. Trouver la famille d'Olin, tuer les membres de la secte. Parler à Olin, faut que je le dise. Oh oh, c'est bien, c'est quoi ça? Des dindes, des lapins, sangliers. C'est forcément là que se trouve la famille d'Olin. Et puis merde. Les tuer, saloperie quoi. Les saloperies, on peut même pas les tuer, dis donc. L'entrée de la ferme. D'accord. Verrouillé, mais j'ai la clé. Ah, c'est ça. Allez, allez. On a entendu le boucan dehors. Tu n'es pas des leurs. Qui es-tu? N'ayez pas peur. Je vais vous sortir de là. Je n'avais pas perdu espoir. Tu es venu nous sauver? Mais pourquoi? Parce que ton mari me l'a demandé. Allez, il ne va pas tarder. L'éclipse est neutralisée, qu'elle lui a dit. C'est sûr qu'elle est neutralisée, tu es neutralisée, là. N'entendez plus de combat. Olin, tu l'as mené jusqu'à nous. Merci. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai fait un pacte avec le diable. Et d'autres ont payé pour moi. Tu crois que je ne le sais pas? Je l'ai entendu. Tu sais, j'ai toujours eu de la terre sur les mains. Maintenant, j'ai du sang. Je veux que tu prennes ton fils dans ses mains. Rentre avec nous à la requête. Tu devrais écouter ta femme, Olin. Mais Elise, et ses démons.
je me dois de te venir en aide. Ouais, c'est fini maintenant. Je ne suis peut-être pas grand-chose, mais je te le dois. Olin, oublie tes dettes. Tu ne m'es plus redevable. Va avec ta famille. Montre-leur l'homme que tu es. Adieu, Aloy. Ta mère. J'espère que tu la trouveras avant eux. J'ai pas de mère. J'ai fait dans une machine. J'avais parlé à Vanessa. Ben dis donc, c'est qu'elle est loin. Ah, d'accord. Oh, quand même. C'est chaud dans cette chambre. La douairière Reine Nassadi vous offre cette nourriture. Elle sait que les temps sont durs et aide les nécessiteurs. Mangez, mais rapportez-en à votre famille si vous en avez une. J'ai entendu des rumeurs à propos de toi. Dresseuse de machines, une belle lance, des taches de rousseur. Certains disent même que tu as une conscience. C'est vraiment incroyable. Qui es-tu ? Tu n'as pas l'air de faire partie des Karja de l'ombre. Je m'appelle Vanessa. Pour l'heure, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis la raison dans cette cause de démence. Je vois ce que tu veux dire. Je n'en doute pas. Et Utid non plus. C'est un homme bon, c'est pourquoi les Karja de l'ombre veulent l'éliminer. J'ai fait des recherches, et je pense qu'il se dirige vers le Mont Vert. Ces mercenaires ne peuvent pas le trouver. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit, ouais, que si je devais aller voir. Tu es partante. Allez, on va faire ça. Ce serait mon possible pour Utid. Et toi, pendant ce temps ? Pendant ce temps, quoi ? Tu feras quoi pendant que je risquerai ma vie ? Je me rendrai utile, petite chasseuse. Cherche 3 arbres morts à l'est de Brunante. Ils marquent le début du Mont Vert. Bonne chance. Après, c'est une bonne idée. À quoi bon ? C'est quelle quête ? Quête annexe. Bon. Hop là. Thank you.
3 arbres morts, comme l'a dit Vanasha. Voyons si Utide est passé par ici. Ces traces mènent en haut de cette côte. C'est sûrement le mont Vert. C'est par là. C'est ça, y a rien à voir ici. Les empreintes s'arrêtent ici. C'est quoi ce linge-là, quoi? Il faut grimper. Ok. Ça commence bien. Moi, je m'en doutais de ça. Quand c'est bizarre. Bon. Ça va vite me prendre la tête, ça. Ce connerie là. Par où il faut grimper? Pourquoi il y avait une touche? Y'a rien pour s'accrocher? Ok. Fallait le dire plus tôt. Pas trop ça, hein. Facile à dire qu'à faire, on dirait. Si on passe directement par là, peut-être. Ah, si je peux, haha. Moi je passe en face. Bon, j'ai réussi. Où est-ce que tu es, Utide? Les restes de repas. Utide a dû s'arrêter pour voir s'il était suivi. Examiner la nourriture. Il a sûrement repris sa route. Je dois le rattraper. On va y arriver à le retrouver ou quoi?
Une machine morte. Utile à chasser. Ouais. Tu devais y aller tout au calme. Lapin caca. Examiner le brouteur des trucs. Qui pouvait servir a été enlevé. Utide rassemble des matériaux, sûrement pour faire des munitions. Moi j'ai entendu le bruit. Ah, les étincelles qui cherchent une charogne. Ah, d'accord. Et de là. Faible, c'est pas vos petites étincelles. Utide a abattu un ravageur. Ça n'a pas dû être facile, mais ses pièces en valaient la peine. Des veilleurs morts. Encore Utide, des pièces il casse tout en fait, c'est un dégueu. Est-ce qu'on approche du but? Oh. La prochaine touchera sa cible. Utide? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat? Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utide. Je crois que tu es innocent. Innocent? Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. Je veux juste te parler. D'accord. Je t'écoute. Je veux savoir ce qui s'est passé à Brunante. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un. Qui a pu faire ce genre de choses? On disait que c'était un esprit, une malédiction. Mais c'était juste un homme. Et un poison silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené devant Bahavas pour être jugé par le soleil. Le haut prêtre Bahavas? C'est lui qui a mis ta tête à prix. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance. Tu as dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. Oui, j'ai compris. C'est là qu'ils nous ont attaqués. J'aurais dû mourir avec mes hommes, pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil 20 ans. Et pourquoi? La ruse et le meurtre? L'honneur? Le sacrifice? Le vrai sacrifice? Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout? Ce n'est que du vent. Carja de si l'ombre, que ouais, tu mais Carja du soleil. Les Carja du soleil semblent honnêtes. Un peu coincés, peut-être, mais honnêtes. Ces Carja ont jadis pillé les terres Nora, et toutes les terres qu'ils pouvaient atteindre. C'était la volonté du soleil. J'ai suivi les ordres. Ah bah oui. D'autres ont fait pire. Mais en tant que capitaine... Utile, je me fiche de ce que tu as fait. Je peux pas t'absoudre. Mais les Carja ont changé. Tu le peux aussi. Peut-être.
Avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats. Ou peut-être qu'il le comprend trop bien. Tu parles comme Marad l'irréprochable. Le roi soleil, ouais. Le Karja de l'ombre. Je veux bien croire que tu es bon. Mais pourquoi avoir rejoint les Karja de l'ombre? Pourquoi les servir? À cause d'Itamen, bien sûr. C'était le roi soleil incontestable. Itamen n'est qu'un enfant? Oui. Un vaisseau encore pur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ils l'ont utilisé. Lui, notre foi. Je vois clair maintenant. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom. Je l'ai fait seul, en servant un trône corrompu. On doit y aller. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanasha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre? Tu as l'air d'une chasseuse. Donne des ordres comme un soldat. Des mercenaires. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent? J'aurais dû rester dans les plaines, Karja! Les montagnes nous appartiennent! Les tueurs de Kikok! On aura fini avec toi! Pas un écho ne restera! Oula, je vais m'amuser. Ce n'était pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. Venez m'aider, abruti! Oh! On vous enverra les autres dès qu'ils arriveront. Uh-huh. Je joue aux flèches de feu, pas de problème. Je sais même pas pourquoi je fouille encore. Quoi? Ah. Faire avec monsieur. Trop vieux. Allez, grimpe! Prends tout ce que tu peux tant qu'on a le temps. C'est quoi ces trois tapettes? Il est toujours plus satisfaisant de vaincre une défense robuste. Allez les merveilles.
On a amené le prêtre jusqu'ici, donnons-lui du grand spectacle. Le gang des trois tafioles, ils croient qu'ils vont faire quelque chose. Ah. Je connais cette silhouette. On a des choses à régler. Bava, c'est moi. Ça va être difficile. Je crois que t'as choisi une cause perdue. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, Utile. Moi, oui. Mais tu commences à me faire changer d'avis. Oh. Simplicité. Je me prends la tête. On a fini avec les merveilles. Bah, va se penser à avoir assez de chair à canon pour le protéger. La justice est à portée de main. Alors, tu viens avec moi? Allez, je te suis. Facile. Bavas a toujours sa garde personnelle. Oui. Si tu veux. Par là-bas, on pourra l'atteindre. La neige est glacée par ici. Je devais venir ici en personne pour abréger tes souffrances, Utride. Et les miennes. Les étrangers nous ont menés ici. Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable. Mais assez discuté. Les tentes, passez.
Battez-les de la vue du soleil. Je vais encore mourir, oh là là. C'est triste. Et sinon, moi je peux pas remettre ma vraie armure parce que bon. Cette armure elle me plaît pas. Je préfère ma petite tenue. Scalpez la sauvage! Quand même, t'as le sauvage, Chivine l'implacable, Isis le clément. Ils sont tous morts. Hein. Ils ont des jolis noms, mais bon, les jolis noms ça fait pas tout. On va escalader des parois avec les putains de merde. M'avait laissé en plein, c'est toi. Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, je t'offre le double. Plus que le double. Non. On est assez là, Anas. Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées. Tu voudrais pas te suicider? J'étais obligé. Obligé. Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'ombre étaient condamnés. Ça ne résoudra rien. Mais que le soleil trouve parmi tes os de quoi le satisfaire. Ah, ça fait mal, hein? Salopard. Saloperie. Pourquoi c'est retourné? Tarlouse. Putain. Tu as 40 000 personnes, elles se retournent pour lui, wesh. C'était un sacré spectacle. T'as pris ton temps? J'avais affaire. D'après toi, qu'est-il arrivé au banni de Yun, notre groupe de mercenaires? Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridian. Laisse-nous une seconde, Utid. On parle entre filles. Oh, il aime pas ça. Une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Masadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunant? Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridian. Comment est-ce que tu le sais? Je me fais passer pour une servante de Masadi. Elle a peur. Pour elle, bien sûr, mais surtout pour Itamen. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Masadi et Itamen de Brunant? Sans Bahavas, Brunant ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'Hélium. Ok. Retrouve mon ami, lui a dit vos trois orteils au rivage abrupt. Trois orteils? Et j'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pourquoi? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection, sur qui je peux compter? Toi? J'essaierai de ne pas te décevoir. Bon, eh bien, écoutez les amis. L'anoramatique du Médret. C'est la fin de cette vidéo. Alors, on part pour Méridian. Donc, seulement si tu veux y aller. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Absolument pas. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao.